Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les nouveautés de la semaine. Comme d'habitude, je suis surexcitée et croyez-moi, c'était pas gagné parce que au début, j'avais pas du tout la motivation de film aujourd'hui. Je me suis dit, tant pis, ça attendra demain. Je me suis un petit peu dit, allez, vas-y, vas-y. Et en fait, j'ai enfilé la première petite robe et je suis trop contente. Je vais vous la montrer tout de suite à la lumière du jour. Voilà, donc ça c'est une robe de chez C. Melody avec un imprimé fond noir et des petites feuilles. Je l'ai en deux autres couleurs, elle est canon, mais elle est vraiment canon. Parfaite pour l'automne puisqu'elle est manche longue. Je vais vous montrer ça. Donc voilà la première pépite des nouveautés de la semaine. Donc c'est cette sublime robe. Elle me rappelle beaucoup les courtes que je vous avais montrées de chez C. Melody, je crois, il y a environ deux semaines. Elle est magnifique. Donc c'est des manches bouffantes resserrées en bas. Voyez, elle est col V. On va se rapprocher, j'ai nettoyé le miroir, normalement ça devrait aller. Elle est légèrement resserrée, enfin vous savez, vous avez un petit trait là froncé là, ma poitrine moi m'arrive là, comme ça vous vous rendez compte. Et au niveau du bas, vous avez un léger volant, vous voyez un petit peu, donc légèrement resserré également à ce niveau là très belle, elle est fluide. Bon, je porte toujours mes Converse tout simplement parce que je suis bien en fait dans mes Converse. C'est un peu la découverte grâce à l'une d'entre vous sur Insta. Je connaissais les Converse, hein, soyons d'accord. Mais j'avais jamais encore tenté le truc. Et ça va avec tout en fait. Vous les mettez, ça va avec tout. Mais je recherche quand même des autres chaussures un petit peu pour l'hiver, l'automne-hiver. Et pour faire des looks sympas. Bref, on parle pas des chaussures. Là, je parlais de ma magnifique robe. Elle est trop agréable à porter. Vous voyez, en termes de longueur, moi je fais 1m70 pour rappel. Elle est pas trop longue. Donc pour les petites, ça sera nickel. Ouais, à mon avis, il faut être 1m50, c'est bon. Enfin, voilà. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Je vais prendre quand même les mesures de toute façon. Mais elle est courte hein, pour moi. Donc, ce qui est très joli. Mais pour une personne plus petite, elle sera un peu plus longue. Et ce sera très joli aussi. En termes de taille, pour rappel, je fais un 50-52 en haut et un 54-56 en bas. Je pense que celle-ci ira pour jusqu'à un 54. 52-54, vous voyez 54-56 en bas, comment je suis bien, si je me sers complètement, j'ai de la place, je suis pas serrée. Après en haut, c'est surtout au niveau du tour de poitrine, je mets toujours la largeur d'aisselle, en fait sous aisselle, donc c'est-à-dire que je prends la mesure de là jusqu'à là, à plat du vêtement, parce que moi j'ai souvent la question, je pose le vêtement à plat et je prends la mesure. Donc prenez une robe que vous aimez et vous faites pareil pour comparer en fait, tout simplement une robe dans laquelle vous vous sentez bien et après vous comparez avec les pièces, c'est beaucoup plus simple je trouve que de se mesurer entièrement etc. Parce qu'on sait jamais trop bien où mettre, là je prends vraiment juste sous l'aisselle, jusqu'à l'autre aisselle, la largeur. Donc en résumé vous multipliez par deux si vous voulez le tour complet. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup la question donc je vous le dis. Elle est trop belle, elle est trop jolie, j'aime trop. Ça c'est pareil, le genre de tenue de rentrée, de fin d'été, début d'automne, même le... franchement c'est le genre de petite robe que vous pouvez clairement mettre l'hiver avec un collant sans aucun problème. C'est absolument pas choquant et c'est des motifs qui sont très jolis, qui font automnal, hivernal, sans problème. J'aime beaucoup. Et je l'ai en deux autres couleurs donc je vais vous la montrer aussi. Je l'ai en bordeaux, elle est trop magnifique. Encore mieux que la Nord, pour moi, parce que chacun ses goûts, on est d'accord. Elle est trop jolie, j'aime trop. Et voyez, ce genre de robe, vous pouvez mettre clairement avec des baskets blanches, mais c'est pas des Converse, hein, des baskets blanches, parce que les feuilles blanches ressortent super bien avec la petite basket. C'est du coup une tenue très confortable, mais très chic. Vous avez les manches ravissantes, je trouve ça très classe, moi j'aime beaucoup. Je sais plus si je vous l'ai dit, c'est la marque C. Melody, donc vous savez que j'adore... J'adore leur tenue, leur finition, de toucher les matières, enfin, tout. Je suis fan de ce fournisseur. Elle est vraiment très agréable à porter, très fluide. Enfin bref, c'est la même que tout à l'heure, mais en bordeaux. Et je vais vous montrer la couleur réelle, bien que je trouve qu'elle ressort parfaitement là. Donc la couleur réelle, donc face à la lumière, c'est quand même plus sympa pour vous. Regardez. Mais regardez-moi ça. Elle est mais sublime, sublimissime. J'aime trop. Et bien évidemment, je l'ai en une troisième couleur. Et donc ensuite, je l'ai en bleu marine. De toute façon, plus j'essaye, plus je me dis, en fait, c'est celle-ci ma préférée. En fait, c'est celle-ci. Je crois vraiment que je les aime les trois.
Je vais vous montrer la couleur réelle, mais c'est un bleu marine. C'est très beau aussi. Elles sont vraiment canon, ces robes. Et c'est 100% viscose, la matière. Et je voulais aussi dire à toutes celles qui me demandent, parce que du coup, il y a pas mal de nouvelles abonnées, et c'est vrai que c'est peut-être pas très clair, mais en fait, j'ai une boutique en ligne, donc le lien est en barre d'infos, et vous pouvez commander directement sur cette boutique en ligne. Tous les dimanches, en fait, vous avez une vidéo qui sort, donc celle-ci à 6h, et je vous présente les nouveautés que j'ai choisies, sélectionnées donc chez des fournisseurs. Pour la semaine, ce ne sont que des vêtements fabriqués en Italie ou en France, idéalement en Europe. Et s'il y a un incident, parce que il y a quelques semaines je m'étais trompée, j'avais pris une jean fabriqué en Chine et j'étais coincée avec, donc je vous l'avais dit, et il me reste plus qu'une pièce, une taille sur ce modèle là, donc c'est bien écrit sur la photo, sur la fiche produit, etc. sur mon site, mais sinon tous les produits sont fabriqués en Europe, voilà, et je ne ferai plus l'erreur, voilà, parce que c'était des pièces que j'avais pas, c'est un fournisseur en fait qui fabriquait qu'en Italie, j'ai pas demandé confirmation sur la provenance du pantalon, mais tout est fabriqué en tout cas, voilà, en Italie ou en France généralement, et donc la marque c'est Mélodie, eux c'est des fabricants exclusivement Italie, voilà, comme ça. Vous savez tout, mais je suis également joignable pour vous répondre si vous avez des questions sur une taille, un modèle ou autre. Et sur le site, je mets toutes les mesures et toutes les matières de tous les vêtements. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, donc elle existe en marine également. Je vais vous montrer... je regarde, j'aime bien le petit volant en bas, moi. Face à la lumière, ce que ça donne. Et donc, face à la lumière, ça donne ça. Elle est canon également. Voilà, je vais essayer, j'ai encore des petites robes d'automne, je vais tout essayer les robes comme ça c'est fait, et ensuite je passe, j'ai un pantalon et après j'ai des hauts, des vestes, etc. Ensuite, est-ce que vous êtes prêtes? C'est une robe de chez Piment Rouge. Elle est canon, regardez-moi là, elle est canon. Donc vous connaissez la plupart donc la marque Piment Rouge puisque j'ai très régulièrement des pièces de chez eux. Ça, c'est une robe qui m'arrive à peu près, ouais, à peu près au genou. Elle existe en 3 tailles, donc en L, XL, XXL. Comme je vous ai dit, moi, je fais un 50-52 en haut et un 54-56 en bas. Donc là, je porte la XXL, vous voyez, mais j'ai de l'espace. La L, la XL, honnêtement, elle m'allait. Mais moi, j'aime bien quand c'est un peu plus voilà, large. Et c'est surtout qu'au niveau du bas, je fais quand même un bon 54-56. Et c'est pas joli d'être trop collée. Je pense que ça m'aurait fait quand même ça, vous voyez. Mais au niveau des tailles, elles sont bonnes. De toute façon, comme d'hab, je prendrai les mesures des selles à aisselle. Mais vous voyez, celle-ci, elle a de l'espace. Donc 54-56, pas de problème. Au niveau des manches, c'est des manches qui sont resserrées là. Et au niveau de la coupe, c'est un col V. Élastiqué ici, voyez, donc hyper agréable, qui s'adapte à la morphologie, manche un peu bouffante, et vous avez comme un petit volant pareil à ce niveau là au niveau du motif, c'est un fond un peu esprit croco avec un motif fleuri par dessus. Elle est vraiment sublime, je vais vous montrer après face à la lumière, mais c'est clairement le genre de petite robe que vous mettez en automne. Vous êtes trop bien dedans, sans collant. Et dès que l'hiver arrive, vous rajoutez un collant, une paire de bottines, de baskets, de bottes, ce que vous voulez. Et c'est parfait. Donc je la trouve mais vraiment trop belle. Je vais vous montrer à la lumière du jour. Et je l'ai pris également une autre couleur. Je vous montrerai ça après. Mais elle est trop jolie. Donc elle existe, je vous ai dit, en LXL et XXL. Hélène, tu m'as dit qu'il fallait que je pose mon téléphone, ma caméra, sur un trépied. Et effectivement, et vous savez que Julien me le dit à chaque fois. Et j'ai juste pas pris le temps de le faire. Je vais voir, attendez. Oh, j'avais pas enregistré. Je viens de vous faire des millions de séquences, les filles. Je n'avais pas cliqué sur enregistrer. Ouh, reste zen. Allez, ça me fait ouh ouh. Donc, je vous avais montré en fait le rendu de cette robe, mais à différents niveaux. Parce que j'essaie de vous poser, hein, comme Hélène de la chaîne Hélène LC m'avait dit, pour vous rendre un petit peu plus compte du porté, du derrière, etc. Vous voyez. Mais je vous ai quand même pas un entier. Je suis pas encore au top. Alors il faudrait que je pose je pousse la table d'une certaine façon. Est-ce qu'on se le tente?
Je teste. Absolument... Je fais des tests aujourd'hui. Alors, vous pouvez me voir un peu plus de loin, disons, mais vous ne me voyez pas encore au niveau des jambes. Donc, je ne suis pas encore au top. Mais, attendez, on va tester autrement encore. Mieux. Pas encore au top. Bon, la prochaine fois, ça devrait aller mieux. Mais voilà, vous voyez un petit peu, du coup, la robe quand même portée, un peu vue de loin. Vous l'avez en mouvement également, c'était beaucoup plus simple pour vous. Et donc là, je vais vous présenter une veste qui ira, je pense, très bien avec, de la marque 2W, que j'ai en 46-48, 50-52, 54-56 et 58-60. Mais comme d'habitude, je vous mets les mesures et c'est très très important que vous regardiez bien vos mesures. Je vous pousse parce que je me dis que ça sera peut-être mieux. Prenez bien vos mesures, comme ça vous voyez directement. Et comme je vous expliquais, prenez les mesures d'un vêtement dans lequel vous vous sentez très bien. Par exemple, pour une robe, vous prenez une robe, et pour une veste, vous prenez une veste. Voilà, allez, je vais vous montrer ça. Donc, c'est cette veste-là qui est magnifique. Là, je la porte en 54-56. J'ai l'impression qu'elle est peut-être un peu grande pour moi, parce qu'en haut, je suis en 50-52. Voilà, moi, c'est vrai que je suis pas très bien proportionnée à ce niveau-là. Donc, c'est celle-ci. Je vais vous la montrer après différemment, peut-être que vous verrez mieux. Elle est sublime, elle a deux empiècements en fait, simili-cuir au niveau des bras, au niveau du col, et ensuite c'est un effet suédine tout là, et au niveau des poches vous avez encore du simili-cuir. Elle est très agréable et elle se ferme en fait avec deux gros boutons comme ça, et ça donne un style au top du top, moi j'adore. T'aimes bien? Yeah, ma fille fait un pouce en l'air. Donc elle valide, et croyez-moi c'est pas facile qu'elle valide. Donc je la trouve super jolie. Je vais vous montrer après donc le rendu face à la caméra. Je vais vous montrer maintenant. Donc voilà, bon bah du coup vous voyez, j'ai tout poussé les chaises pour essayer de vous faire un truc sympa. Mais comme ça vous vous rendez compte du rendu du manteau, et je vais vous montrer après face à la lumière. Donc voilà, vous voyez, par contre je pense que le 50-52 pour moi ça ira beaucoup mieux que le 54-56. C'est le genre de robe, c'est le genre de veste que j'adore, et je trouve qu'avec des robes quand même de cette longueur là, c'est idéal en fait. C'est très très joli. J'aime beaucoup cette tenue, vraiment beaucoup cette tenue. Donc face à la lumière, vous avez la robe crocodile, on va l'appeler comme ça, bordeaux, et vous avez donc la veste noire de chez W. Vous avez le rendu et canon, et ensemble c'est vraiment très joli. Et donc voici la robe croco sur fond noir cette fois-ci. Elle est très jolie également. C'est exactement le même modèle, hein. C'est juste le fond qui change. Regardez, fond donc effet croco noir avec des jolies petites fleurs, les couleurs automnales parfaites. Et pareil, hein, vous pouvez mettre ça avec des baskets, des sandales, oui vous pouvez. Des baskets, des bottines, des bottes, des collants. Parfait. J'adore. J'ai l'impression que comme ça, au moins, vous voyez la vraie couleur. Ouais. Donc, voici un petit peu le rendu. Un peu plus loin. Elle est magnifique, cette robe. Je l'aime trop. Je vais essayer. J'ai une espèce de petite veste noire. Très belle, qui irait parfaitement avec elle aussi, je pense. Et qui est à petit prix, donc... qui devrait vous plaire. Donc voilà la veste. Donc c'est une veste noire, col rond. Vous voyez, elle est d'une matière très légère. Elle a des poches là et là. Elle est très très simple. Il n'y a pas de capuche, il n'y a rien. Mais c'est comme c'est un peu le même style que veste gilet. Enfin, de toute façon, c'est le même fournisseur que la dernière fois au niveau de la veste gilet basique. Voilà, c'est un petit basique à avoir. Du coup, en plus à bas prix. Très belle, elle est très très belle. Et sur le rendu d'une robe comme ça, ça peut être très sympa aussi. Avec un pantalon noir également. Enfin, c'est le genre de veste que vous pouvez mettre avec tout. Et donc porter comme ça, face à la lumière et un peu plus loin, ça donne ça. Donc ma petite veste noire, très jolie avec mes poches. Et ma robe effet croco sur fond noir. J'aime trop. Ensuite, dernière robe, et encore de chez Piment Rouge. C'est cette robe avec un effet tie and dye, un peu effet escargot, vous voyez. C'est une robe qui est de couleur vert sapin, je dirais. Manches longues également, mais cette fois-ci, elles ne sont pas resserrées ni bouffantes. Elle est très agréable à porter. C'est une matière, je me demande si c'est pas du 100% coton, parce qu'elle est vraiment hyper confortable, celle-ci, vraiment trop trop bien.
Celle-ci existe pareil en 3 tailles, donc 46, 48, 50, 52, 54, 56. Là, je porte la 54, 56 parce que je voulais un peu de largeur au niveau du bas. Mais quand je les ai reçues, j'ai essayé la 50, 52 qui m'allait très bien également. Donc après, c'est un peu à vous de voir, mais prenez votre taille habituelle, clairement. Ne prenez pas la taille au-dessus. Moi, je prends un 50-52 en haut, un 54-56 en bas. J'ai opté pour le 54-56, mais je pense que vous voyez, le 50-52, il m'allait un peu plus près du corps. C'était très joli également. Elle est colvée. Vous avez un peu le rendu là. Avec un petit volant en bas qui fait tout le tour de la robe. Elle est trop belle. Je vais vous poser sur le... sur mon installation. Mais le pire, c'est que j'ai un trépied juste posé là, par terre. Je suis quelqu'un de très organisé dans la vie. Oh là là. Donc voilà, vous avez la vraie couleur de cette petite robe. Trop jolie. Et vous voyez, le 54-56, je pense à un bon 56. Hein. Pareil, les mesures, je vous dirai ce que j'en pense au niveau de la taille. Je la trouve parfaite, très agréable à porter. C'est le genre de petite robe dans laquelle vous êtes bien pour la rentrée, pour aller bosser, pour aller à l'école, pour aller un dimanche matin, un dimanche midi en balade, dimanche matin au marché également. C'est le genre de robe que vous mettez en fait un petit peu dans toutes les circonstances et vous êtes très 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 bien dedans. Donc moi j'adore ça. Oui, là c'est la vraie couleur, je vais vous regarder si ça change beaucoup face à la lumière, mais non, c'est la bonne couleur que vous aviez. Voilà. Ensuite, vous avez une sublime tenue, je suis toute excitée. Donc c'est ce pantalon noir de chez Piment Rouge, donc il existe en 3 tailles, LXL, XXL. C'est une taille en fait, vous avez des poches et c'est... Attends, je vais vous montrer ça. Je vous dévoile mon ventre. C'est une taille élastique en fait, vous n'avez pas du tout de... C'est un jegging en fait, hein, c'est comme ça. Trugging, jegging, oh, je confonds toujours. Vous n'avez pas de boutons, rien du tout en fait. C'est comme un leggings mais en matière vraiment pantalon. Il est élastique, hyper agréable à porter. Mais vraiment hyper agréable à porter, je suis très bien dedans. Moi je porte forcément le 3XL, hein, la... non le double XL, le 54-56. Voilà. Et en haut, je porte une petite blouse de chez C-Melody. Regardez. Regardez la beauté. La beauté de cette pièce. Elle est trop belle. Manche bouffante. Resserre au niveau du poignet. Je trouve que c'est une tenue parfaite pour aller bosser. Bon, changer les Converse si vous n'avez pas envie d'aller en Converse. Hein. Moi, je sais que j'avais pas le droit d'aller... Enfin, j'avais pas le droit. C'était mal vu d'aller travailler... J'étais claire de notaire avant. Et c'était mal vu d'aller travailler en Converse. Voilà. Donc bon, après vous mettez des ballerines ou ce que vous voulez. Au niveau de la coupe, moi il me cache les fesses et je fais 1m70, donc vous voyez je suis quand même très bien, voilà, c'est très bien coupé. Les pièces chez C-Melody ça va généralement à partir du 46 et celle-ci va d'un 46 à un 52, mais pas au-delà. Je pense que le 54, j'ai peur que vous soyez un petit peu serré au niveau de la coupe, voilà, du bas là vous serez limite. 46-52 ça me paraît vraiment très très bien. Au niveau là, c'est un col V un petit peu comme ça, un petit peu, vous savez, effet portefeuille. Et vous avez légèrement resserré. Oh, attendez, comment c'est fait? Ah oui, comme ça. Comme... Oh, attendez. Comme ça, légèrement resserré un peu, effet comme ça. C'est vraiment... Ouais, c'est une beauté cette pièce. Je vais vous montrer face à la lumière le rendu, mais elle est parfaite, quoi. J'aime trop. Donc voilà, niveau du rendu, mais regardez-moi, quoi, le motif. Le motif est parfait, la blouse en elle-même est parfaite. C'est vraiment des pépites. Hein. C'est vraiment des pépites ces pièces. Je suis une gamine là. Je vais montrer un peu sur le pied. Ce qui est bien, c'est que là, ça, vous voyez quand même la vraie lumière dans ce sens-là. Hein. Donc sur le pied, la tenue, ça donne ça. Pantalon de chez Piment Rouge, ma petite blouse de chez C-Melody. Je dois un peu reculer encore. Parfait, j'adore. Et j'ai une petite veste à capuche qui je pense ira très très bien avec celui que je vais vous montrer. Et donc voilà avec la veste, elle est trop belle. Donc ça c'est une veste de chez Piment Rouge, elle existe en L, XL, XXL. Donc elle existe en 46, 48, 50, 52 et 54, 56. C'est un gilet veste, hein. Il n'y a pas du tout de bouton. Ce que j'aime moi dans ce modèle, alors attendez, est-ce qu'on peut le voir? Hop,
derrière, c'est que j'ai une capuche. Moi, j'adore les capuches. J'ai deux poches et j'ai un lien, en fait, pour refermer si je le souhaite, vous voyez. À ce niveau-là, après, moi, je fais un 54-56 en bas, donc... forcément avec le 50-52 je vais être un peu limitée, mais elle est parfaite, elle est vraiment parfaite. La matière, je ne sais pas ce que c'est, mais elle est d'une douceur et d'un confort. Donc nous sommes sur un 95% coton à 5% d'élastane. Donc moi c'est le genre de matière que j'adore, vraiment beaucoup. Alors eux ils ont resserré les manches, si vous la dévisez, elle descend. Et c'est une tenue... Et c'est une tenue mais au top. Moi je trouve que c'est une tenue sportwear, hyper agréable mais chic. Parce que vous avez une superbe belle blouse en fait. Du coup ça donne un style super joli. Hop. Bon et je vous montre ça un petit peu de plus loin. Voilà un petit peu le rangé de plus loin. J'ai mes poches, ma petite veste. Il manque plus que les sacs. Je pense qu'à la semaine prochaine vous aurez une collection de sacs qui arrivera. Voilà, j'ai pas vu cette semaine. Au jour où je vous parle, on est mercredi, donc tout peut encore changer. Mais pour le moment, j'ai pas de sac, donc on va mettre ça plutôt semaine prochaine. Voilà. Je mets beaucoup de temps à me décider sur les sacs. Je vais tout prendre et en même temps, rien prendre, donc je mets du temps. Mais je vais vous trouver des super sacs pour l'automne. Mais pour le moment, je vous trouve déjà des belles petites blouses avec des petites vestes. Trop sympa. Et donc, j'ai une capuche. Voilà, moi je suis le genre de nana qui met des capuches. Surtout quand vous avez deux enfants en bas âge, vous avez deux mains, vous leur tenez les mains comme ça, vous pouvez pas avoir de parapluie. Donc clairement, moi les capuches c'est un indispensable. Voilà, sinon j'ai un autre gilet, je vais peut-être vous le montrer avec cette blouse, je pense que ça peut être sympa. Un gilet de chez C-Melody. Donc je vous montre un petit gilet qui est gris foncé, donc pareil, ça c'est de chez C-Melody. Ça va, je pense, un 46 à un 52 facile. Ça a tous les... Vous voyez les extérieurs comme ça. Argentier, ça j'adore. Il est gris foncé, vous voyez. Et il a une douceur, pareil, lui, la matière. Attendez, il faut que je la trouve, c'est... Donc la matière, on est sur un 70% viscose, 30% polyester. On est d'une douceur, je vous explique même pas. Je ne sais pas si on pourrait se rendre compte à la caméra, mais il est extrêmement doux. Donc, c'est un gilet qui est comme ça, vous voyez, un petit peu. Donc, un peu plus long sur le devant, comme ça. C'est très joli. Il est très agréable à porter, donc d'un 46 à un 52 maximum, je pense. Il est vraiment top si vous allez travailler, vous mettez un haut peut-être plus léger en dessous. Votre gilet par-dessus quand il fait encore un peu chaud, mais que le soir, il va faire froid. Ou plutôt que le matin, il fait froid et que le soir, il fait plus chaud. Voilà, c'est parfait. Je vous montre la couleur réelle. C'est ce gris foncé là. Et donc face du bout comme ça. Ça rend... Attention qu'il y a la guitare derrière moi. Ça donne ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Comme d'hab, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer d'autres couleurs pour cette blouse. J'ai deux autres couleurs. Parce que quand j'aime, moi je prends toutes les couleurs. Vous avez la même blouse mais un bleu marine. Voilà. C'est un bleu marine avec la petite tige comme ça rouge. Je trouve que c'est très mignon aussi. Donc là, c'est toujours pareil, col V, manche bouffant. Ouh ! J'ai failli me ramasser. Manche bouffant très serrée. Elle est très agréable à porter. Moi, je suis un 54-56 en bas, les filles. Donc, vous voyez, je suis un peu juste, mais pas trop, pas tant que ça. Donc, voilà, pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte du rendu. Face à la lumière, ça rend comme ça. Je vais vous montrer un petit peu après. Et donc, voilà, ça rend ça. Ça rend. J'ai exactement la bonne couleur, là. Voilà. Voilà le rendu final. Très joli. J'aime beaucoup. Tenue de rentrée, c'est maintenant les filles. Allez, je continue. Parce que j'ai quand même bien bien chaud. Et donc la dernière couleur de la blouse, c'est ce joli vert sapin. Trop joli. Avec des petites fleurs. Un peu couleur camel, je dirais. Camel moutarde. C'est très beau aussi comme ça. Bon, j'ai toujours le pantalon de chez Piment Rouge. Hein. Vous voyez, on est très bien dedans. C'est très très joli. Je vais montrer la lumière. Voilà ce que ça rend la couleur du vert à la lumière comme ça, du chaud. Je trouve que ça fait très classe pour aller bosser, pour tout ce que vous voulez. Je trouve que c'est vraiment une tenue. Voilà, parfaite. Vous avez la vraie couleur. Et oui, il va vraiment dessous des fesses, je trouve. Hein. En tout cas, moi, pour m'en mettre 70, ça va en dessous des fesses. Un peu plus pour devant. Une petite manche bouffante. Parfaite. J'ai un gilet kaki.
peut-être vous mettre rapido là. Vous vous rendiez compte. Je suis pas sûre que ça aille vraiment avec, hein. On est d'accord. Mais bon, comme ça je vous aurais montré le gilet. C'est le même que le gris foncé cette fois-ci, mais en kaki. Donc ça donne ça. Et au niveau des coutures, vous avez en fait un effet un peu délavé. C'est un peu la mode en ce moment de cet effet délavé comme ça au niveau de la couture. À mon avis, vous mettez ce haut kaki, ce gilet kaki avec un haut rose, ça peut être très très beau. Du noir, du blanc. Du vert sapin, ça fait moins joli, mais c'est pas choquant quand même. Voilà, ensuite, je continue. Je vais boire un grand verre d'eau et je continue. Ensuite, vous avez le Caraco que vous connaissez. Cette fois-ci, je l'ai pris en champagne. Il est trop beau. Regardez-le comme il est trop, trop, trop beau. Donc ça, c'est le Caraco qui va d'un 50 à un 56 parce qu'il a une taille là qui est élastiquée. Donc forcément, très, très, très agréable à porter. Donc vous le connaissez, hein, je vous le présente même plus. Je l'ai en plein de couleurs et cette fois-ci, je l'ai en champagne. Et donc face à la lumière, je me suis grattée là, je suis toute rouge, je ne sais pas ce que j'ai fait. Et face à la lumière, ça donne ça. Voilà, comme ça vous le voyez vraiment porter comme il faut. Je ne sais pas s'il est transparent, je n'ai pas l'impression. Ou alors très 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 léger. Voilà le rendu. Et donc j'ai deux autres couleurs de Caraco proposées. Aujourd'hui, mais je vais alterner comme j'ai chaud avec un haut manche longue. On va faire un haut manche longue, un Caraco, un haut manche longue, un Caraco. Ensuite, vous avez ce petit haut manche longue. J'avais craqué dessus parce qu'il y a marqué râler. C'est mon super pouvoir avec un cœur. C'est un effet un petit peu brillant. Voilà, comme vous voyez. Je le trouve très très beau. Je l'ai en noir également. Et là, je vous présente en rouge. Voilà. Donc ça, c'est une taille unique. Il était noté que ça correspondait à un 46-48. Mais comme vous avez été quelques-unes à l'apprécier, je l'ai pris. Je vais faire un sondage sur Instagram. Vous voyez, je rentre dedans. Hein. Donc 46-48-50. Et peut-être même 44. Vu qu'il est un peu plus, vous voyez, un peu plus près du corps. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu le rendu. Il est très joli, je trouve, qu'il fait un coup de peps comme ça. Très sympathique, voilà, je vous montre la couleur. La bonne couleur. Je le trouve très sympa. Il est très simple en fait, mais c'est genre de petit haut, vous mettez sous un gilet pour l'automne en fait, c'est parfait quand il commence à faire un peu frais. Ou alors en hiver, en fait, sous un gros pull, vous mettez ça. Et comme ça, la journée, si vous avez un peu chaud, vous enlevez votre pull, mais vous avez quand même un petit pull sympa. Donc voilà, au niveau de la matière, on est très très bien dedans. Donc je viens de regarder au niveau de la matière, c'est du 100% coton, donc très 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 agréable, croyez-moi. J'ai le même en noir, je m'excuse, je ne l'essayerai pas parce que j'ai vraiment très chaud. Et je pense que bah, vous, voilà, je vais vous le montrer, vous allez vous rendre compte, c'est le même en noir. Donc voilà, j'ai le même, c'est la marque C'est Mélodie, je ne sais plus si je vous ai dit. Hop. Donc c'est le même en noir, ils ont serré un peu les manches comme ça pour monter, je trouve que ça va être très joli aussi. Et il est, voilà. L'inscription. Voilà, il est canon, c'est exactement le même, donc en noir. Voilà. Et j'ai, vous savez, la semaine dernière, je vous ai présenté de la marque Piment Rouge, donc en 46, 48, 50, 52 et en 54, 56. Je vous ai présenté les hauts verts avec marqué Mademoiselle en folie et j'ai donc les mêmes modèles en noir cette fois-ci, c'est exactement le même que la semaine dernière, donc je ne vais pas vous le représenter. Il est noté, hop, je vais vous montrer. Donc le Mademoiselle en folie, un peu en effet, bah, vous voyez, comme ça. C'est des manches qui sont longues, mais vous pouvez refaire effet 3 quarts, vous montez avec un petit bouton. Et pareil, celui-ci est très agréable à porter, col V, enfin col V, légèrement V dessus. Et donc j'avais le même en vert la semaine dernière. Et cette fois-ci, je vous propose en noir. Voilà. Allez, on continue. On va essayer les Caracos. Ensuite, donc j'ai le débardeur, enfin le Caraco en bleu canard. Regardez-moi cette couleur. Moi, c'est une couleur que j'adore. Je trouve que ça fait un effet peps un petit peu au niveau de mon visage. Vous voyez, ça fait très pétillant. J'aime beaucoup cette couleur. Donc c'est les mêmes Caraco que je vous présente depuis tout à l'heure, taille élastiquée, qui vont d'un 50 à un 56. Face à la lumière, je vous pose, ça donne ça et c'est la vraie couleur.
Et fille, c'est la vraie couleur. Regardez-moi cette pépite. Ça... Ah, j'avais pas encore utilisé le mot. La pépite. Mais là, je peux vous dire que cette semaine, je trouve qu'il y a quand même des jolies pépites. Hein. Entre ce petit haut, entre les robes, ces mélodies, les robes piment rouge, les vestes. C'est encore une semaine avec de belles sélections. Je suis très, très, très contente de pouvoir vous présenter tout ça. Et il me reste donc un caraco marron et un haut ces mélodies noir avec une étoile dans le dos. Argenté, je crois. Très sympa aussi, donc je vous montre ça. Donc ensuite le haut de chez C Melody qui est donc col un petit peu V comme tout à l'heure de chez Paiement Rouge avec les trois boutons. Manches longues mais vous pouvez donc les resserrer. Eux, quand je les ressors en fait ils sont remontés comme ça et l'effet est très sympa aussi. Et en fait ce qui fait la toute la différence dans ce haut c'est que vous avez une étoile dans le dos que je vais essayer de vous montrer. Et si vous mettez vos cheveux attachés, du coup, bah ça fait la petite touche finale. Je trouve l'étoile dans le dos très sympathique. Alors, moi, j'ai pas les cheveux attachés aujourd'hui, mais je vais pouvoir vous montrer ça. Voilà. Normalement, vous devriez voir mon étoile dans le dos. Et le devant, il est comme ça. Donc il est très simple. Celui-ci, pareil, d'un 46 à un 50. 44 peut-être, il faudrait que je vous voie. Mais 46 sur jusqu'à un 50, donc 46, 48, 50. Moi, je fais un 50-52, donc en haut, 54-56 en bas. Je ne suis absolument pas serrée. J'ai de la place, vous voyez. Mais c'est un peu moulant, près du corps. Donc c'est pour ça que je préfère vous dire ça. Jusqu'à un 50. Je trouve que l'effet moulant, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa sur ce genre de haut quand vous avez comme moi par exemple du bidou, des poignées d'amour, etc. Après si vous n'êtes pas foutu comme moi, c'est-à-dire si vous avez moins de ventre et de hanches comme ça, et que vous faites un 50-52, ça va. Nickel. C'est vraiment que moi j'ai une, j'ai une pouée à ce niveau-là. Qui est assez phénoménale. Voilà. Il me reste un caraco. Et donc enfin le dernier modèle c'est ce caraco marron. Très sympathique aussi, j'aime beaucoup. C'est des couleurs un peu... Je me demande si je ne vous l'ai pas déjà présenté celui-ci, mais qui s'appelait pas marron. Si c'est ça, vous obligez le couperai. J'ai présenté toutes les nouveautés d'aujourd'hui. J'ai d'autres pièces qui arrivent demain, donc je ferai un complément pour vous. Ça ne changera absolument rien parce que je le mettrai juste après cette vidéo, enfin juste avant. Les pièces que j'aurais reçues demain. C'est juste que j'ai fait en deux vidéos. Bon les filles, nous sommes le lendemain. Bon pour vous ça change absolument rien. Juste moi je suis le lendemain. J'ai reçu donc le reste. Il y a juste un haut et deux gilets à vous présenter. Donc je vous montre ça maintenant. Je porte le haut, vous allez le reconnaître. C'est le haut dentelle que j'avais eu il y a environ 2 ou 3 semaines. Je crois que c'était il y a 2 semaines. Je l'avais en bleu, en rose. Ils sont partis très très vite. Et j'ai recommandé un rose. J'ai réussi à en avoir un en rose. Donc je suis contente, je vais le remettre en ligne là. Allez voir si jamais il est encore dispo. C'est possible qu'il soit pas parti tant ce que vous... C'est possible qu'il soit encore disponible sur le site. Sachez également que tout ce qui est en ligne est disponible. C'est-à-dire que si vous commandez l'article, si vous le réglez, je l'ai forcément en stock. Sauf erreur possible, hein, ça peut arriver. Mais voilà, je ne dois pas recommander, etc. Tout ce qui est en ligne, c'est que c'est en haut dans mon atelier. Je vous montrerai ça. J'ai tout, tout bien avancé. J'ai une boutique à la maison en fait. C'est exactement ça. Voilà. Bref. Donc c'est le haut dentelle que vous connaissez. Et je l'ai pris cette fois-ci en un joli kaki. Parce que je trouve que pour la saison automnale, hivernale, c'est top aussi. Je vais vous montrer face au miroir. Donc voilà le petit haut. Donc il est sublime celui-ci. Vous le connaissez donc. C'est de la dentelle. Enfin de la broderie plutôt. Tout là devant et vous avez en fait exactement la même chose dans le dos. Voilà, on a tout pareil dans le dos. Il est bien parce qu'il est fluide, vous voyez, il est large, on a de la place. Je crois que je l'avais pris jusqu'à un 56 hein, si je dis pas de bêtises. Il est très agréable à porter, vraiment. Là je l'ai mis avec le pantalon noir stretch, voilà, vous pouvez le mettre très bien avec un jean. Ça ira parfaitement. Et j'ai deux gilets à vous présenter. Un noir. Un noir et un kaki. Je vous montre ça. Donc voilà le gilet noir. Il est sublime. Ça c'est... Alors c'est pas ces mélodies. C'est la marque du... C'est le même fournisseur que les robes Sonia, Isabella. Celui-là.
Est-ce que vous connaissez? Je crois que c'est déjà pas mal. Donc c'est un gilet noir, manche longue, mais vous voyez j'ai un petit bouton, ce qui fait que comme là, de ce côté-là, je peux le remonter. Il est long, donc rappel, je suis 1m70, vous voyez, moi il m'arrive en dessous du genou. Voilà, donc c'est vraiment un gilet long pour le coup. C'est vraiment un gilet long. Donc pour les plus petits, il sera forcément plus long encore et ça peut même faire style un peu veste. Ça c'est idéal hein, pour la saison automnale, hivernale, vous avez un bon petit gilet bien chaud. Il est large, donc je pense qu'il y a celui-ci pareil jusqu'à un bon 54. Je referai les mesures, vous voyez là j'ai de la place au niveau de la manche. Vous pouvez retrousser hein, si c'est trop long comme moi, ou le mettre là avec le bouton. Donc voilà pour ces jolis petits... gilet. J'aime beaucoup et je l'ai pris également en kaki parce que moi... Quand j'aime, je prends plein de choses, plein de couleurs. Et donc voilà le gilet kaki. Alors sur le haut kaki, je sais pas trop, ça me choque pas trop. Mais peut-être mettre plutôt quelque chose de pas kaki pour pas que ce soit ton sur ton. Mais ça me choque pas trop. Au niveau de la couleur, regardez. Ouais, vous l'avez la bonne. Elle est sublime. J'ai regardé la matière, c'est 97% coton et 3% de lassane. Donc autant vous dire que vous êtes très à l'aise dedans, c'est très doux, c'est très confortable. Voilà, petit gilet là pour les matinées un peu fraîches. Et ensuite, hop, dans votre sac, parce qu'il fait encore un petit peu chaud, vous pouvez enlever votre gilet. C'est parfait. Voilà. Et donc, face à la lumière, ça donne ça. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette couleur. Il est sublime, il est vraiment sublime et donc très agréable. Donc voilà, je vous ai présenté toutes les nouveautés, j'espère qu'elles vous auront plu. Moi je suis très heureuse de cette nouvelle sélection. Je vous laisse parce que c'est l'heure du goûter avec les petits. Je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis disponible sur les réseaux sociaux. A bientôt.